Bonjour à tous, ici Le Envol qui est là pour un nouveau JT 13h temps universel. Il est 13h temps universel, on est donc à l'heure. Nous allons commencer par le premier reportage, qui est un reportage fait par notre cher Régis, qui est allé à la rencontre de Jean Dupneux, qui est le propriétaire de l'usine Penji Motors à New Bedroid. Allez, c'est parti! Salle Penji, une usine a été construite d'abord à Saint-PNJ par le PNJ Motors, puis fermée pour être réinstallée et agrandie ici à New Bedroid. Nous allons donc partir à la rencontre de cet entrepreneur dont son usine est une véritable réussite. Bah oui, vous savez, ça fait 5 ans que je suis dans cette usine. Et elle tourne bien. On devrait engager deux nouvelles personnes pour l'année prochaine. Et les ventes de voitures ont augmenté de 10%, contrairement à ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu, 2%. Donc, on est vraiment fiers des résultats et on espère que ça va continuer une fois, non? Alors, vous êtes belge apparemment. Eh oui, Régis, je suis belge. Et alors, ça te cause un problème? Non, c'était pour savoir. Une autre question. Vous avez fait plus des études en marketing, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de construire cette usine ici? Ben, c'est très simple. J'ai été contacté par l'entreprise Penji Motors, qui était propriétaire, vous le savez, d'une usine à Saint-Penji à l'époque, qui avait du mal à tourner. Faut dire qu'à l'époque, la ville n'était pas autant équipée pour les routes. Et on avait pendant ce temps-là New Bedroid avec beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de routes et plus de consommateurs qui s'étendaient et qui avaient besoin de nouvelles usines. Parce qu'il y avait surtout des emplois dans le monde tertiaire, comme on dit, comme vous le savez, avec les boutiques, les immeubles. Ils avaient besoin d'industrie. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas installer une usine de voitures là-bas, la déplacer. On a déplacé et le projet, comme vous le voyez, ça fait 5 ans, ça a réussi. Donc, comme vous voyez, il y a d'autres entreprises qui ont installé des usines, puisqu'il y a des cheminées derrière moi. Puis aussi des entreprises du monde du tertiaire, puisqu'il y a des immeubles. Donc, on est dans la mini-zone industrielle de New Bedroid, parce qu'après, l'industrie ne s'est pas trop étendue non plus. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir une nouvelle usine? Bah pourquoi pas, tête de Penji Motors ou d'un concurrent, ou bien alors dans un autre domaine. On peut très bien imaginer une réexpansion industrielle. Elle s'est arrêtée, mais on peut bien imaginer ça. Merci. Et quelles sont vos prévisions pour la suite? Bah, on espère que les croissances de vente vont continuer, ou du moins qu'on va pouvoir au moins maintenir l'usine avec son nombre d'employés, éviter les licenciements. Et bien évidemment, comme vous me connaissez, faire monter les actions en bourse pour donner toujours plus de dividendes à nos chers actionnaires. Ah, et des nouveautés pour les consommateurs? Oui, nous allons faire des produits toujours plus intéressants avec toujours plus avantageux au niveau du prix. Ah, et ça veut dire quoi ça en gros? Bah, ça veut dire qu'en gros, on va essayer d'améliorer le rapport qualité-prix, mais on va quand même conserver des grosses marges, hein, comme vous nous connaissez. Bah, merci! Merci pour d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien, bonne soirée une fois. Au revoir! Ensuite, notre cher Vincent, nous sommes donc en direct avec notre cher Vincent qui est au niveau de monument de la City pour son inauguration. Il s'agit de l'A380. Alors, Vincent, vous êtes en direct donc au devant de l'A380, c'est bien ça? Mais oui, c'est exact, mon cher Envol. Je suis devant l'A380, monument dans la The City. Plus de 3 ans de travaux, un chantier titanesque à plus de 2 milliards d'émeraudes. Bande d'enfoirés! Oui, Vincent. Alors, quel est le but de ce monument, si tu le connais? Ben, alors, mon cher Envol, comme il faut que je te dise, ben, en fait, c'est un peu simple le but. C'est juste de montrer la puissance de la ville, l'extension, et éventuellement attirer des touristes.
Parce que tu sais bien qu'ici dans The City, on fait tout pour le fric, hein. Je pense que tu le sais très bien quand même. T'es bien placé. Oui, c'est vrai qu'on fait tout pour le fric dans la région, ça c'est bien dit. Alors, mais que parles-tu par puissance de la The City? Bah, c'est très simple, mon cher Envol. Avant, tu te souviens, la The City était définie entre deux blocs. Le bloc San PNG Liberty Cube, dit le vieux bloc, et le bloc New Bug Druid, qui est la métropole. Et ben aujourd'hui, les deux sont reliés. Il n'y a que de la ville entre. Pas encore tout à fait tout urbanisé, mais maintenant, c'est en gros, c'est une seule grosse ville. Et c'est en train de devenir de plus en plus vrai. Donc, il se pourrait bien que les noms de New Bug Druid, San PNG, Liberty Cube disparaissent pour avoir un nom unique. Donc ça serait un peu une réforme territoriale comme l'a fait la France avec la réforme des régions. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, mon cher Vincent. Et sinon, quel est l'accueil du public sur l'N380? Ben, le public a l'air de très bien l'accueillir. Honnêtement, il est très impressionnant. Il y a quelques agriculteurs qui ont un peu râlé durant les travaux à cause du bruit, mais là, ça a l'air de mieux aller puisque maintenant les travaux sont finis. Le bruit a été réduit et on espère qu'il n'y aura quand même pas trop de nuisances sonores pour les riverains parce que ça serait vraiment dommage de les pénaliser pour ça. Mais bon, en même temps, on s'en bat un peu les steaks. Donc merci Vincent pour ce direct. Bon, ben maintenant nous allons passer au prochain reportage pendant que le plateau est envahi de villageois. Les villageois qui prennent le plateau pour une simple maison. Mais what the fuck? Donc nous allons passer au prochain reportage qui se situe en plein San PNJ, donc l'ancienne ville. Qu'est-ce que pensent on va dire ceux qui sont plutôt de la campagne, de l'extension de la The City? Comment se ressent-elle là-bas? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici le Envol qui est sur le terrain dans le vieux The City, comme on pourrait le surnommer. Nous sommes à San PNJ, donc le vieux The City avec vue sur Liberty Cube. Le très très vieux The City ici, c'est la zone plutôt campagne, enfin, même si c'est la ville, on n'a pas de grosse route. Ici. Donc nous allons essayer de prendre les avis de la population sur l'extension de la ville. Alors avant cela, on visite un peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, quelle influence a eu l'extension de la ville? Parce qu'il faut savoir qu'ici, la ville s'est étendue par là-bas, et non de l'autre côté. Donc, ce que on... San PNJ, c'est l'une des deux extrémités de la ville, puisqu'il y a New Bug Druid, qui est une extrémité, et ça, c'est l'autre extrémité. Puis il y a beaucoup d'urbanisation, et puis il y a l'urbanisation entre les deux. C'est surtout celle, c'est ce qu'il y a entre les deux qui se développe beaucoup ces derniers temps. L'extension permanente de la City fait que cette zone peut soit venir avoir se développer pour devenir une véritable zone résidentielle ou bien alors être petit à petit délaissée. Donc nous allons pour ce... Donc il y a des vieilles discothèques installées. On voit que des projets étaient en cours mais abandonnés. Donc il y a quand même pas mal de petites boutiques ici dans cette zone-là de la The City. Enfin, de la New Bug Druid. Enfin, pas cette zone de The City qui ressemble déjà dans plus à New Bug Druid, puisqu'ici on est à San PNJ, ça ressemble déjà un peu plus à ce qu'on peut avoir à New Bug Druid. Même si on est toujours assez loin de l'ambiance de New Bug Druid, on en est déjà plus proche. Vous remarquez que la zone est très calme. Il n'y a pas grand chose.
cherchons donc de la population. Mais comme vous le voyez, nous n'en trouvons pas. À part des villageois, la ville a l'air tout simplement plus très habitée. Il y avait même un centre du fisc. Donc on peut en déduire de cela que CNPNJ de petit à et petit à petit délaissé. Mais il pourrait reconnaître un renouveau grâce au réseau ferroviaire qui pourrait se prolonger jusqu'à CNPNJ et permettre du coup de faire de CNPNJ une zone résidentielle. Ça pourrait être le renouveau. Ah, nous avons un villageois là-haut. Nous en avons là-bas, nous allons voir la population. Bonjour, que pensez-vous de l'urbanisation croissante? Donc pour vous, l'urbanisation est un peu destructrice pour votre petite zone, mais en même temps, ceci permet de fournir des emplois. C'est bien ce que vous dites? D'accord. Merci. Donc, comme vous voyez, Saint-Pengy, c'est une zone qui commence à être de plus en plus délaissée, remplie de villageois qui sont qu'une bande d'enfoirés. À vous les studios. Oui, enfin, avant, je vais demander quand même l'avis à quelqu'un d'autre, des fois que. Alors, qu'est-ce que vous pensez de New Bug Druid? Comment ça que j'aille me faire foutre? Mais va te faire foutre toi-même. Bon bah là sur ce coup-là c'est vraiment à vous les studios. Attends, Et on termine ce JT devant la statue de Bug Druid. Donc ici le envol et on finit du coup le JT hors du plateau pour vous dire on a été ravis de faire cette émission et c'est donc le dernier épisode. C'était le dernier épisode de la saison 2 de The City, le grand final. J'espère que ça vous aura plu. Et qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo, puisque pendant ce temps-là, on continuera les montages TV, notamment d'autres émissions de télé que les JT, puisqu'on a des émissions de musique ou comique dans les cartons, et on verra ce qu'on fera. Donc, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Allez, à plus!